Hola! Coucou tout le monde, joyeux Noël! Joyeux Noël à toute ma team! Joyeux Noël à toute ma team! J'espère que vos fêtes se sont bien passées. Là, il est 17h là, on sort un peu des fêtes, voilà. On est en mode. On a fini de fêter. Joyeux Noël, Aminata Traoré, Henri Chouyoka, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. J'espère que vous allez bien. Hélène Oguesson, c'est pas mon anniversaire? Pourquoi tu me dis joyeux anniversaire? C'est pas mon anniversaire. Ou c'est par rapport à mon nom Emmanuel, peut-être. Merci, Nessimon, Élisée. Merci, comment vous allez, Mathilde? Vous allez bien? Ça va? Bon, je vous laisse vous connecter. On m'a ramené une essence de parfum tout à l'heure que j'ai essayé sur mon vêtement. Ça m'a laissé des taches. Du coup, là, c'est sûr que je ne vais pas utiliser cette essence de parfum. Alors, on me dit aussi que ça se met juste en fait sur le corps. Et je sais pas pourquoi moi, j'ai voulu le mettre sur ma tenue. Et voici le dégât. C'est une grosse flaque d'essence de parfum là. Merci Aïcha Naba, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, vous êtes adorable. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire le live dans 2 heures, mais malheureusement, là, à peine j'ai fini de marquer, qu'Ibrahim me dit qu'il veut aller au cinéma ce soir. Donc, du coup, je vais faire le live. Et puis ensuite, bah, je vais évacuer à mes occupations que d'aller au cinéma avec mon fils. Merci beaucoup, Mohamed Abdou. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas trop peur de temps. Oh, merci Touré Maïmouna, c'est vraiment gentil, merci. Alors, j'ai pas trop perdu de temps. J'ai fait un petit post tout à l'heure, comme ça, où je disais que l'année 2022 a été une année magnifique, franchement. Nous allons rendre gloire à Dieu, ce Dieu que je prie au quotidien, ce Dieu en qui je crois et en qui j'ai donné toute ma foi. Et il a fait de cette année une année magnifique, une année de remise en question, une année de travail acharné. Une année où il m'a donné une santé de fer à mes enfants et à moi-même. Aucun d'entre nous n'est passé à l'hôpital. C'est génial. Il m'a donné de beaux contrats. Il m'a permis de repartir en Côte d'Ivoire, où j'ai pu voir ma fille, où j'ai pu voir ma famille, où j'ai pu voir des amis d'enfance. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je termine cette fin d'année encore avec la santé. Bon, on a la fin d'année jusqu'au 31. Je pense que comme les choses se poursuivent, ça va bien se passer jusqu'au 31. On va positiver. Mais franchement, hé, Marceline, laisse mon poids. Je viens d'Abidjan. T'inquiète pas, je vais maigrir bientôt. On va positiver en se disant que jusqu'à la fin de l'année, en tout cas, ça va bien se passer. Voilà, en tout cas, l'année a débuté bien et elle s'est terminée très bien. On est le 25 aujourd'hui. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire. De base, c'était juste pour le travail. J'ai pour le travail, pour la famille. Voilà, je me suis dit, allez, je vais voir un peu la petite. Et j'emmène avec moi, en fait, Laurentia, qui est ma directrice de communication, et mon garde-corps, qui est Chris. Donc, je vais avec eux et tout ça. Je m'organise et limite, en fait, je me dis, allez, venez, on va s'éclater et tout ça. Ça va vous faire des vacances et tout ça. Parce que c'est des personnes, quand même, qui sont auprès de moi et qui m'apportent du positif. Et il faut souvent les gratifier de cette manière. Alors j'arrive comme ça en Côte d'Ivoire et je vous découvre, vous, ma Eucalande. Parce que quand je quittais la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de Eucalande qui existait. Quand je quittais la Côte d'Ivoire, c'était ben, juste des fans qui m'avaient connue, donc l'ASA et pas mal de choses et tout ça. Et là, quand je repars en Côte d'Ivoire, je découvre la véritable Eucalande. Et vous m'avez honoré. On a eu à faire une belle conférence qui a été organisée en à peine 10 jours. Vous avez répondu présent. Vous avez fait un full, comment on dit ça en fait, un sold out. Vous avez fait quoi d'autre encore? Vous m'avez accueilli comme une reine. Vous avez fait les choses bien. Toutes les émissions où je suis passée, vous avez été présent, vous avez boosté les choses
Et mon merci ne finira pas avec vous. Je vous remercie énormément. Parmi ces moments aussi où j'étais en Côte d'Ivoire, évidemment que je vais pas me taxer d'étoiles, parce qu'on est tous des étoiles. Être une étoile n'est pas forcément être une célébrité. Être une étoile n'est pas seulement être belle. Être une étoile n'est pas seulement être riche. Être une étoile, c'est être juste à l'image de Dieu. Chaque être humain est une étoile. Mais il se trouve qu'il y a des étoiles qui brillent un peu plus que d'autres. Et ces étoiles qui brillent plus que d'autres ont tendance à attirer les ténèbres. C'est-à-dire ont tendance à attirer ce qui est contraire à elles. Depuis des années, des personnes ont décidé en fait de me vouer un culte assez particulier. Ces gens se lèvent avec mon nom. Le volume est bas, chérie, Annick. Est-ce que là, tu m'entends mieux, Annick? Ces personnes ont décidé de se lever avec mon nom. C'est de manger avec mon nom, de boire avec mon nom. Honnêtement, c'est pas quelque chose que je prends mal, parce qu'il faut dire que c'est pas à n'importe qui on voue un culte. C'est pas à n'importe qui on voue sa vie. Est-ce que vous vous imaginez en fait quelqu'un qui délaisse sa vie et qui dit je vais m'occuper de la vie d'Emmanuel Keïta? C'est pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Mais pour le coup, j'ai envie d'être n'importe qui. Pour le coup, en fait, j'ai envie en fait que ces personnes... Le son, Mireille Serré, vous n'entendez pas? Ah, Carole, tu entends? Bah, c'est bon alors. C'est super. Pour le coup, j'ai envie quand même que chacun puisse faire sa vie. Mais bon, chacun décide de ce qu'il veut. Ce qui me fait sortir particulièrement aujourd'hui, c'est parce qu'on est en fin d'année. Et chaque fin d'année, bah, c'est l'heure du bilan. La fin d'année est l'heure du bilan. C'est l'heure où on se pose des questions. C'est l'heure où on éclaircit certaines choses. C'est l'heure où on se remet en question. Je sors aujourd'hui parce que quand même, au milieu de tout ce bonheur que j'ai pu jouir, au milieu de tout cet amour qu'on m'a pu me procurer, j'ai eu également beaucoup de méchanceté que j'appellerais méchanceté gratuite. Méchanceté gratuite. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire. J'avais une date précise à laquelle je devais rentrer. Et la date à laquelle je devais rentrer, j'étais la seule à la savoir. Ou du moins, la chaîne pour laquelle je travaille maintenant aussi savait, connaissait cette date. Je n'ai pas donné de date précise à qui que ce soit. Je peux dire, oh, je retourne dans une semaine, non, dans quelques temps. Mais une date précise, jamais. J'ai entendu beaucoup de choses sur la toile. J'ai décidé de ne pas répondre. Parce que ma réalité, je la connais. Je ne viendrai jamais me justifier face à vous en vous disant j'ai tel document, mes enfants sont avec telle personne, voilà mon copain, comment il s'appelle, je suis fiancée, je suis mariée, je mange le matin, le soir je mange pas, je mange le soir, le matin je mange pas. Je ne vais jamais me justifier pour cela. Jamais. Je dis bien, jamais. Ma vie privée reste ma vie privée. Ce que je suis dans le privé, ça reste ce que je suis dans le privé. Si je suis mauvaise, c'est pour moi et ma famille. Si je suis bonne, c'est pour moi et ma famille et pour ceux qui me côtoient. Et Dieu m'a fait la grâce d'avoir des amis de longue date. Aucun de mes amis n'est acteur des réseaux sociaux. Je n'ai aucun ami qui est acteur des réseaux sociaux, que ce soit en tant qu'animatrice, que ce soit en tant qu'influenceur, que ce soit en tant que temps. Je n'ai pas d'amis qui est acteur des réseaux sociaux. Mes amis sont des personnes anonymes qu'on ne connaît pas. Donc, je ne vais jamais venir me justifier pour qui je suis. En revanche, je suis sur les réseaux sociaux
parce que ça me plaît, c'est agréable d'être avec vous. Mais à côté de cela, au fait, j'essaie de créer une sorte d'activité qui est la marque Emmanuel Keïta. Mais Keïta est une marque qui est d'ailleurs déclarée en France. Cette marque-là fait des placements de produits. Cette marque peut être animatrice. Cette marque Emmanuel Keïta peut être mannequin. Cette marque Emmanuel Keïta peut être pas mal de choses. Cette marque permet de promouvoir les choses. À ce moment-là, quand cette marque est attaquée, elle risque de se briser. Elle risque de ne plus exister. Je vais prendre la marque qui s'appelle par exemple Chanel. Un premier client va chez Chanel, il dit, je suis allée chez Chanel, on m'a dit que j'étais une sale noire. Une personne, ça passe. Je suis également allée chez Chanel, on m'a dit que j'étais une putain de négresse, je dis n'importe quoi. Ça peut être des mensonges comme ça peut être une vérité. Mais au fur et à mesure que les gens se plaignent de cette marque, Chanel risque de baisser. Chanel risque de voir son chiffre d'affaires diminuer. À un moment, qu'est-ce qui va se passer? Bah, Chanel n'aura plus de clients. Chanel va sombrer. Chanel ne va perdre sa superbe. Elle ne pourra plus payer ses employés. Chanel ne pourra plus rien faire. C'est un peu comme moi, la petite Emmanuel Keïta. Cette marque Emmanuel Keïta, qui est mon nom, que je souhaite demain qu'il soit comme Chanel. Mais elle n'est même pas encore là. Et on commence déjà à la salir. Est-ce que vous pensez que ça sera possible que demain, d'autres personnes puissent assimiler leur image à moi? Si à chaque fois qu'on détruit cette marque, je reste dans un mutisme? Croyez-vous en fait que si je me tais et que je ne me prononce pas ou que je ne sorte pas des preuves à chaque fois qu'on accable la marque Emmanuel Keïta? Je précise bien, nous parlons là en fait de la marque Emmanuel. La cuine, on ne te voit plus avec Aïcha, qu'est-ce qui se passe? Mais Aïcha va très bien, Aïcha Sol va très bien. Il y a quelque chose que vous oubliez. Aïcha Sol n'est pas mon amie. Aïcha Sol n'a jamais été mon amie. Aïcha Sol, c'est ma grande sœur. Aïcha Sol, on ne traîne pas ensemble. Aïcha Sol, c'est ma grande sœur. On ne traîne pas ensemble. Laissez la bonne dame tranquille. Laissez la dame là tranquille. Passons. Donc je disais, si à chaque fois on remet en question mon nom qui est ma marque et mon gagne-pain par ricochet, à un moment il finit par se fissurer. Et ça franchement, à un moment il faut s'exprimer. Je travaille avec Teint Parfait by Nadège depuis plus de 2 ans. Je n'ai jamais eu de problème avec cette dame. J'ai toujours bien travaillé avec elle. On a un partenariat, pas des moindres. Je travaille avec Fadi Wax depuis plus de 2 ans. Je n'ai jamais eu de problème avec Fadi Wax, qui est une grande dame. Je travaille avec Diva Collection depuis 1 an. Je n'ai jamais eu de problème avec Diva Collection. Je travaille avec Mode Ethnic depuis 2 ans. Je n'ai jamais eu de problème avec Mode Ethnic. Je travaille avec OneXBet. Depuis maintenant 7 mois, je n'ai jamais eu de problème avec OneXBet. Je travaille, waouh, la liste est longue, hein, avec TapTapSainte depuis 1 an et demi. Je n'ai jamais eu de problème avec TapTapSainte. Je travaille depuis quelques temps avec Planète Extension. Je n'ai jamais eu de problème avec cette dame. Je travaille avec beaucoup de personnes. Énormément de personnes. Vous pouvez me taxer de tout ce que vous voulez. Mais le travail, j'y mets un point d'honneur. Dernièrement, quand j'étais à Abidjan, une dame a invité un personnage sur son plateau. Quand cette dame a invité ce personnage sur son plateau, j'ai demandé
à sa sœur, que j'appelle affectueusement grande sœur. Je dis grande sœur, pourquoi ta sœur fait cela? Elle m'a dit, petite sœur, ah bon, je ne suis pas au courant. Laisse-moi aller à Aska là-bas. Quand elle s'en va, elle me dit, elle n'est pas d'accord avec tout cela. Je dis, mais peu importe, qu'elle soit d'accord ou qu'elle ne soit pas d'accord, je trouve ça un peu bizarre de sa part pour une grande dame comme elle est. Mais bon, passons, chacun sa vie. Je fais partie de ces personnes-là, en fait, qui arrivent à faire la différence entre le business et les émotions. Je suis quelqu'un qui sait faire la différence entre le business et les émotions. Pas parce que même ce business me rapporte beaucoup, parce que quand je me mets dans quelque chose avec une personne, j'aime aller jusqu'au bout. C'est pour ça que mes partenariats ont ce nombre d'années. Cette dame est venue vers moi par le bien d'une grande dame qui s'appelle Maud Ethnic. Maud Ethnic, qui est un partenaire en même temps une sœur. Qui m'a dit, tiens, j'ai la sœur de cette dame qui aimerait pouvoir travailler avec toi. Je dis, ah bon? Pourquoi elle veut travailler avec moi? Sa sœur n'arrête pas de me lancer des piques. Pourquoi elle veut travailler avec moi? Elle me dit, non, elle t'apprécie énormément et elle aimerait travailler avec toi. Honnêtement, aucun membre de ma famille ni de mon équipe n'était d'accord avec ce partenariat. J'ai dit, dans une famille, tu peux ne pas avoir la même vibe qu'une personne, mais tu peux t'entendre professionnellement avec une autre personne. Sa sœur n'est pas une détractrice au sens propre du terme. Sa sœur n'est pas une haters. Sa sœur et moi, on ne s'entend pas forcément. Mais sa sœur n'a jamais été d'une méchanceté avec moi au point de faire des choses bizarres. C'est juste que ça ne gamme pas entre nous. Donc, je peux travailler avec elle. Quand cette dame vient auprès de moi, elle vient de façon professionnelle. Emmanuel, j'ai besoin de toi pour de la visibilité. D'accord, ok. J'ai pas grand-chose, mais voilà ce que je te propose. Je dis, il n'y a pas de souci. On passe notre temps à porter de grandes marques, on passe notre temps à taguer sur Instagram. Même 5 francs, on ne nous donne pas. On va dans les grandes marques, là. On porte les Prada, les Dior, on ne nous donne rien. Mais et si on commence à promouvoir, vous, les stylistes de Côte d'Ivoire, si on commence à vous rendre grand, on sera également grand. Moi, c'est ce mindset-là que j'ai. Rendre les personnes de ma communauté, que ce soit son styliste, son vendeur de dégué, son vendeur de gnomi, peu importe ce que tu es, je suis celle-là, en fait, qui arrive à accepter des partenariats. Quand les gens viennent vers moi, même ils tremblent. Je ne sais pas si tu vas accepter de travailler avec moi, mais s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Et je suis là pour ces personnes. Autant je vais aller travailler avec One Is Bet ou avec Orange pour me donner des sommes faramineuses, autant je peux travailler avec le petit styliste du quartier. Ce n'est pas une question de manque d'argent. C'est une question de mindset. Ceux qui ne travaillent pas avec les petits stylistes ou avec les petites marques, vous les taxez de méchants. Vous dites que ces personnes-là ne sont pas bien, que ces personnes ont la grosse tête, que ces personnes n'aident pas leur prochain. Et les personnes qui décident en fait d'aider, parce que j'appelle ça de l'aide, à côté du travail, c'est également de l'aide. Parce que souvent, accepter des partenariats où tu sais qu'en temps normal, d'autres t'ont payé plus cher et que tu acceptes quand même, c'est une manière d'aider à promouvoir quelque chose. Donc oui, c'est de l'aide. Et je ne changerai pas cela. Parce que c'est comme ça que je suis. Mais je ferai plus attention. Alors, j'ai accepté le partenariat de cette dame. Pour preuve, dès le départ, je n'avais pas du tout confiance en cette dame. Je dis, écoute, Rookie, c'est qui me l'a présenté. Cette dame veut m'envoyer des tenues.
Si elle m'envoie les tenues, j'aimerais que ça puisse passer par toi. Et c'est toi qui m'envoies les tenues à l'adresse indiquée. Je ne souhaite pas qu'elle m'envoie les tenues directement à mon adresse. Parce que je me suis dit, ok, on peut avoir un volet professionnel, mais pas plus. Je suis choquée. Je suis étonnée que cette dame avec qui je travaille, qui m'a toujours montré beaucoup de reconnaissance, qui m'a toujours montré beaucoup d'intérêt, qui m'a toujours montré qu'elle voulait être proche de moi, qui m'a toujours même reproché de ne pas être proche d'elle, qui m'a toujours reproché de ne pas avoir confiance en elle, qui m'a toujours reproché limite ce mot que je la traite mal. Je lui disais, non, grande sœur, je ne te traite pas mal, c'est parce que je ne te connais pas. Je suis étonnée que sa sœur puisse faire un live. Dans ce live, sa sœur ne cite peut-être pas mon nom, mais elle parle de ma communauté et de moi avec beaucoup de mépris. Je suis étonnée que sa sœur ait fait une bourde et qu'au sorti de sa bourde, elle revient un mois plus tard où elle sert du mépris en lieu et place de s'excuser comme une personne sage. À ce moment-là, je fais un post où je fais allusion à mes enfants. Parce que pour moi, le but n'est pas d'insulter cette dame. Le but pour moi, c'est de lui passer un message codé qu'elle puisse comprendre. Que ne fut pas ma surprise de voir la sœur qui a œuvré pour être auprès de moi se lever et se permettre de faire un post, un commentaire juste en bas de mon post. Quand j'ai vu son commentaire, j'ai capturé le commentaire et je lui ai envoyé un message où je lui ai dit que je ne souhaite plus travailler avec elle. Je vais vous montrer ça tout de suite à l'instant sur mon téléphone. À ma grande surprise, quand je finis de dire à cette dame que je ne veux plus travailler avec elle, que je veux mettre fin à ce partenariat parce qu'il est malsain, je la bloque parce que ça me dégoûte, ça pue l'hypocrisie et ça, voilà, moi je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très simple, de très gentil, mais quand je te ferme. Et sans autre forme de procès. À ma grande surprise, je vois la dame qui court sur les réseaux venir dire que je suis une personne toxique et qu'elle a mis fin à un partenariat. C'est faux. Je vais vous le prouver tout de suite sur mon téléphone. Elle n'a jamais mis fin à un partenariat. Au contraire, elle est toujours à sa même place. Je l'ai bloquée, mais elle est encore là. Elle ne m'a pas encore bloquée. Je lui ai dit que je ne veux plus travailler avec elle. Et je ne voulais même pas mettre sur ma page que je ne travaille plus avec elle. Quand je l'ai bloquée, que je lui ai dit que je ne veux plus travailler avec elle, j'ai gardé ça pour moi. Parce que je me suis dit, il y a des gens quand même, peut-être, qui aiment ses créations. Et si je viens dire que je ne travaille plus avec elle, ces personnes risquent de ne plus payer ses vêtements. Donc malgré que je l'ai refoulée la veille, je n'ai rien dit. Je suis restée silencieuse. À ma grande surprise, je me lève le matin, je vois qu'elle a pondu un long texte rempli de mensonges. À ce moment-là que je sors et je fais un communiqué pour expliquer que je ne travaille plus avec elle. Un communiqué que j'ai pris mes petits doigts pour écrire avec ma tête, en restant professionnel et focus sur le message à passer. C'est à ce moment-là que je sors, sinon je ne voulais même pas le dire, parce que c'est son mangement. Ensuite, on se retrouve dans de la diffamation. Moi, je travaille avec Timparfait by Nadège depuis 2 ans. Nadège est quelqu'un financièrement qui est assise. Le mot est faible. Mais jamais, je dis bien jamais, je n'ai demandé 5 francs à Nadège, hormis le contrat et les payes qu'elle me doit. Jamais. Pourtant, Nadège aujourd'hui n'est pas seulement une simple partenaire. Nadège est mon amie. Donc, s'il y a quelqu'un, si je suis dans la moindre difficulté, à qui je peux demander de l'aide, c'est Nadège, en tant que partenaire. Je suis étonnée. Cette dame a commencé à travailler avec moi. Elle avait vraiment des difficultés à me payer. Je lui ai réclamé mon dû, parce qu'elle a utilisé mon nom pour mettre sur une collection. Je dis, ah. Tu utilises mon nom pour mettre sur une collection, ça reste quand même lourd, grande sœur. C'est comme ça que je parlais avec elle. Je dis parce que là, tu te fais carrément des sous avec mon nom. Donc vraiment, faut essayer de voir, au moins, fais
Fais-moi au moins une avance. Avant que tu aies commencé à vendre, parce qu'elle me dit, elle n'a pas encore commencé à vendre. Je dis, bon, avant que tu aies commencé à vendre, donne-moi au moins 500 000 francs CFA. La séance, pendant qu'on est assis là. Et au fur et à mesure que tu vas vendre, tu me feras le point. Mais moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas qu'on utilise mon nom. Et puis, je n'ai pas l'impression de gagner quelque chose. Ça ne me plaît pas. Elle me dit, petite sœur, je ne suis pas sortie avec beaucoup d'argent. Je n'ai pas grand-chose sur moi. Prends déjà ça. Je n'ai rien. Tu sais que mon business là, je ne vends pas. C'est bizarre, ce mois de décembre qu'elle a là, c'est chaud sur moi, c'est difficile. Il dit, grande sœur, il faut rentrer à la maison. Quand tu rentres là, il faut aller fouiller dans tes tiroirs. Mais il faut que tu envoies l'argent ici. Parce que mon nom là, c'est une marque. Elle est rentrée à la maison, elle ne m'appelle pas. J'ai dit, grande sœur, c'est comment? Elle me dit, non, là c'est un peu chaud. Depuis ce matin, mais c'est maintenant que je sors. Je vais envoyer mon assistante pour te faire le OM. Désolée pour ce désagrément. Je suis étonnée que le message qu'elle ait envoyé pour s'excuser de ses rendez-vous manqués de paye, qu'elle utilise ce message sur les réseaux pour dire que je lui ai demandé de l'argent. Mais tu as du mal même à payer tes prestations. Comment on peut te demander de l'argent? Et même si je suis au bout du gouffre, dans la plus grande précarité, hey girl, j'ai ma maman. Maman Micheline vit. Maman Micheline Keïta, celle qui m'a sorti de son ventre, elle vit. Et son compte en banque n'a pas de problème. Si c'est chaud sur moi, j'ai mon partenaire d'affaires qui est ma personne. Mamadou Koulibaly, Momo collectionne. L'argent est waouh dans la maison là. Je n'ai qu'à tirer dedans. Néni ça. Si c'est chaud sur moi, je vais même appeler le père de mes garçons, Koulibaly Kafumba. Il va me venir en aide. En fait, il y a trop de personnes autour de moi. Mais même ces personnes là, je ne tends pas la main. Même ces personnes, je ne tends pas la main. Jamais. Momo Collection me fait un virement chaque 7 du mois. Un montant que je ne vais pas révéler ici. C'est le montant de mon travail en tant que directrice artistique. Au-delà de cela, je ne demande rien. S'il m'a fait des cadeaux, il est parti chez Fendi, chez Gucci, il m'a pris un truc. Merci papa, c'est gentil de ta part. Mais je ne tends pas la main. Je suis connue dans mon milieu comme celle qui ne tend pas la main. Je suis entourée de personnes qui ont beaucoup d'argent. Mon ami Coco. Ma copine Albertine. Mon ami Mijes. Ma copine Natacha. Tous mes amis sont fortunés. Je ne tends jamais la main à un seul ami. Fortuné, jamais. C'est ce que je gagne à la sueur de mon front que je prends pour m'occuper de ma vie, de ma famille et de mes réalités de vie. Quand je vais au restaurant avec mes amis fortunés, chacun met sa part sur la table. Je mets ma part également. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, je suis amie avec eux depuis des années et qu'ils ont ce respect pour moi. Mais pourquoi, à chaque fois que moi, Emmanuel Keïta, je dis que je ne veux plus être amie avec une personne. Je dis que je ne veux plus travailler avec une personne. Pourquoi à chaque fois que je dis que je ne veux plus associer mon image avec une personne, pourquoi je n'ai pas moi le droit de dire cela? Et qu'il faut qu'à chaque fois, vous sortez et que vous me salissez. Pourquoi il faut que vous répétez tous les mêmes choses pour que ça paraisse des vérités? Pourquoi? Pourquoi autant de méchanceté? Moi, je travaille pour des gens. Ma réputation est très importante. Vous ne pouvez pas continuer à la salir, même si je me tais. Vous avez inventé sur moi que j'ai demandé le visa, que je ne peux pas rentrer en France. Je suis là. Vous avez inventé sur moi plein de choses. Vous avez même menti que le chantier que j'ai aujourd'hui, où j'ai fait comme ça, en fait.
que ça appartient à des gens, que je n'ai rien à voir avec tout cela. Mais en ce moment, quand vous partez sur ce même chantier, ils continuent à être là. Et les gens qui sont là-bas, ce sont mes personnes. Pourquoi à chaque fois, vous voulez me discréditer? Pourquoi à chaque fois, vous essayez de me rabaisser? Pourquoi? Pourquoi? Tantôt, vous êtes content quand vous êtes fier de dire qu'elle travaille à la sueur de son front. Tantôt, vous dites, c'est elle qui ne se connaît pas. Elle travaille pour des petites marques. Mais c'est 1 000 francs, 1 000 francs qui font 1 million. C'est 1 000 francs, 1 000 francs, 1 000 francs qui font 1 million. Chacun a sa destinée. D'autres ont décidé d'être riches parce qu'ils gagneront à la sueur de leur front. D'autres ont décidé d'être riches par d'autres choses. Chacun décide de ce qu'il veut pour sa vie. Mais la finalité, moi j'aimerais pouvoir me regarder dans une glace et avoir le sommeil tranquille. Et du coup, la voie que je choisis, c'est le travail. Vous m'avez collé l'étiquette d'une pauvre, mais je refuse cette étiquette. Je vous la retourne au nom puissant de Jésus. Je vous la retourne au nom puissant de Jésus. Je n'ai aucune pauvreté sur moi. Je suis riche de partout. Je suis riche de par mes enfants. Je suis riche de par mon aura. Je suis riche de par mon intelligence. Je suis riche même financièrement. Je ne dois à aucune banque. Je ne suis pas à découvert. Mes enfants ne doivent pas à la cantine de l'école. Je ne dois pas mon loyer. J'ai de l'essence dans ma voiture. J'arrive à m'offrir des vêtements. Je fais des dons. J'aide les gens dans le silence sans faire de bruit. Ben, ça va. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche de tout, au contraire. Je refuse que vous collez cette étiquette sur moi. Je vous la retourne au nom puissant de Jésus. Vous comprenez? Alors cette dame est venue vers moi pour travailler. Aujourd'hui, cette dame me salit. Cette dame est même partie jusqu'à dire que, j'ai vu un commentaire qu'on m'a renvoyé, où cette dame dit, on va commencer à lire les commentaires, je vais commencer à montrer les preuves, où cette dame dit carrément qu'elle a même aidé à payer mon billet d'avion. Ben, déjà, cette dame, je n'ai jamais vu dans un avion, en business class. Je ne sais pas si elle connaît ce que c'est que le prix d'une business class. Et contrairement à elle, en fait, ou à sa sœur, j'attends pas qu'une chaîne télévisée me fasse voyager ou que des gens me fassent voyager. Moi, je suis quelqu'un de très transparente. J'ai fait voyager mon garde de corps, ma directrice marketing, à mes frais. À mes frais. Je suis la même qui suis venue pour dire, bah tiens, j'ai dépensé tellement d'argent, je suis étonnée que mon directeur général de NCI me dit qu'il me rembourse tout. J'ai fait même le poste pour lui dire merci. Cette dame a fait un post, un commentaire pour dire qu'on l'a aidé à prendre son billet d'avion. Je vais vous montrer mon billet d'avion en retour. Mon billet d'avion en retour, comment je fais ça? Non, je ne suis pas triste. Je suis en train de parler. Je ne suis pas triste. Nous allons retourner tout ceci. Mon billet d'avion retour. Alors, la personne que vous voyez là, ce nom qui est là, c'est le comptable de NCI. C'est le comptable de NCI. Voici mon billet d'avion retour. Pour la date à laquelle je suis venue. Voici mon billet d'avion. Arrête de m'appeler, Laurentia. Merde. Voici mon billet d'avion retour. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez le billet d'avion retour ou pas? Est-ce que vous voyez? Dites-moi si vous voyez. Non. Arrête de me dire, Olivier, que je n'ai pas besoin de me justifier. Laisse comme ça. Le billet d'avion retour. Maintenant, nous allons passer au billet d'avion aller. Je vais rentrer dans ma boîte mail. Pardon.
Parce que trop, c'est trop. Non, je ne suis pas triste, je m'exprime. Je ne suis pas du tout triste. Attendez. Voilà, faut capturer, vous allez lire après. Voici mon billet d'avion aller. Quadio Emmanuel Adolphine. Ce billet a été pris. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà mon billet d'avion aller. Je l'ai pris le 30 octobre. Pour le 30 octobre. Maçonnerie et robotique, allez vous faire foutre. Voilà mon billet d'avion aller. Quand je prenais même ce billet-là, ces dames ne savaient même pas même que j'arrivais à Abidjan. Quand je prenais ce billet, ces dames ne savaient même pas que j'arrivais à Abidjan. On va y aller tout doucement. On va continuer. Cette dame dit que c'est elle qui a mis fin à ce partenariat. Et que je lui ai demandé de l'argent. Cette femme a été bloquée. Vous avez bloqué cette personne. Je l'ai bloquée. Vous pouvez voir que sa photo de profil est encore là. Sa photo de profil est encore là parce qu'elle n'a pas encore eu le cran de pouvoir me bloquer. Si je clique là-dessus, je risque de faire voir son numéro. Donc, je dois faire attention. Il faut respecter l'intimité des gens. Voici sa photo de profil. Attention à son numéro de téléphone. Il ne faut surtout pas que son numéro de téléphone sorte. Ça, c'est la vie privée des gens. On va y aller tout doucement. Je vais pas mettre ces. Ouais, c'est très ridicule malheureusement, mais c'est à ça que les gens nous ont. Je suis en train de trucs parce que les autres trucs, je veux pas mettre ces trucs privés. Ça se fait pas. Voilà. Quand elle écrit, elle aime beaucoup supprimer. C'est bon? Vous êtes là maintenant? Trop, c'est trop. Ça, c'est le jour que sa sœur a invité la personne sur son plateau télé. Elle m'a transféré les messages de sa sœur, où sa sœur montrait clairement qu'elle ne voulait pas de cet invité. Moi, je crois un peu en sa sœur quand elle dit qu'elle ne voulait pas de cet invité. Mais je suis un peu étonnée au fait d'une personne qui dit qu'elle est riche, qu'elle n'arrive pas à poser son avis. Ça veut dire qu'elle n'est personne finalement. Voilà. Ça, c'est nous. Alors là, elle me demandait pourquoi quand je... Attendez.
C'était pour la collection, la collection. Je veux arriver en fait à ce qui s'est passé. Voilà, on arrive à ce lundi où je lui demande, coucou, donne-moi le number de phone pour les commandes pour ceux qui veulent l'acheter. Coucou, c'est le même. Donne-moi lequel, Ray, dis-moi, tu as fait le OM. On parle du OM, pourquoi? Parce qu'il y a un reliquat entre elle et moi. Il y a un reliquat entre elle et moi. Je lui demande, est-ce que tu as fait, Rêve, dis-moi, est-ce que tu as fait le OM? Elle me répond, depuis, c'est aujourd'hui, je suis sortie de la maison, ma chérie. C'était pas bon chez moi. Elle me dit qu'elle n'a pas d'argent, c'est chaud sur elle. Je vais remettre à ma secrétaire pour le faire ce soir. Désolée pour le désagrément. Elle voulait dire désagréable, mais je crois qu'elle n'a pas su écrire. C'est pas grave. D'accord, Grando, merci d'avance. Je suis à côté de ta maison. Il n'y avait personne chez toi. Regarde s'il y a quelqu'un. Je vais passer. Je ne suis pas loin. Parce que je lui ai demandé de passer récupérer tous les vêtements. Parce que moi, les vêtements, en vérité, quand je les porte une fois, je n'arrive pas à les remettre. Donc, je lui ai demandé de repasser pour qu'elle puisse reproduire les mêmes modèles pour pouvoir les vendre. Non, passe demain ou après-demain. Ils ont bougé à Assigny. C'est vide. Ok, tu peux me donner. Enfin, donc je lui dis là, je vais voir qui sera là et tout ça. Et là, enfin, bref. Tac, tac, tac. Bonjour, Oka, j'ai pu récupérer. À ma grande surprise, elle passe derrière moi. Alors qu'elle attendait d'abord, elle attendait d'abord que je lui fasse signe pour savoir laquelle des nounous sera à la maison. Mais comme elle ne veut pas donner mon argent, à ma grande surprise, elle passe derrière moi. Et comme j'avais déjà laissé le colis devant la porte, elle passe derrière moi, me dit bonsoir, Oka, j'ai pu récupérer. Je dis ok, mais tu n'as toujours pas fait le OM. Comme si qui était là. Quand je lui dis, elle me dit, hey, bonsoir, Reka, j'ai pu récupérer. Et que je demande, tu n'as toujours pas fait le OM. C'est parce que c'est quelque chose que tu me dois que je te demande de cette manière. Tu n'es pas en train de me rendre un service. Tu n'es pas en train de me rendre un service. Je ne suis pas ta copine de galère. Je ne suis pas ta copine de galère. On y va. Elle m'a écrit, le jour que j'ai fait le poste, elle m'a écrit à 9h14. Ou le lendemain du poste, je ne sais plus. Elle m'a écrit à 9h14 et elle a supprimé son message. Comme moi, je ne suis pas une lâche, je lui ai envoyé le message qu'elle a mis sur ma page. Voici le message qu'elle a mis sur ma page. Je lui ai renvoyé son message. Je lui ai renvoyé les commentaires en bas de son message. Et voilà ce que je lui ai répondu ce jour-là. Je pense que je ne vais pas te répondre aux vues et aux su des gens. Donc, regarde. Mes premiers mots, je lui dis, je crois que je ne vais pas te répondre aux yeux et aux su des gens, je vais encore garder du respect. Un minimum de respect. T'as vu la réponse qu'on t'a donnée, la deuxième réponse? La personne t'a demandé quand elle lance des pics, quand elle sous-entend des choses. Où es-tu pour répondre à ça? On dirait qu'à force de discuter avec moi, tu as oublié qui j'étais en fait. Je suis Emmanuel Keïta. Je suis Emmanuel Keïta, l'une des plus grandes influenceuses de l'Afrique francophone. Je pense que mon humilité est en train de me jouer des tours. Quand tu écris un post où tu dis que tu as essayé. Quand tu écris un post pour dire que je sais en inbox, elle aurait dû se contenter de se taire et de rester dans son coin. Après le live qu'elle a fait sur Live TV, où tout le monde était choqué, tu as vu le post que j'ai fait, justement, pour la ramener dans mon sens à moi. Mais quand elle fait un live hier, où elle dit les moutons, les bornés, je ne recherche pas d'amitié, moi. Cette petite sœur-là s'est versée. Quand ta sœur parle ainsi, à quel moment où tu lui fais un commentaire en bas en lui disant, grande sœur, est-ce que c'est nécessaire ce que tu es en train de faire là? C'est une histoire qui est déjà passée. Est-ce que tu lui fais ce genre de message? Je pense qu'elle ne te donne plus de mal. Ta sœur-là, c'est ta sœur. Ton sang, c'est ton sang. Moi, je ne suis qu'une étrangère avec qui tu travailles. Business is business, mais je pense qu'il faut qu'on enlève ça entre nous. Parce que où ta soeur est en train de partir, c'est trop loin, ça ne s'arrête pas. J'ai beaucoup pris sur moi.
et je ne peux plus tolérer. Et l'acier s'amuse encore à sortir, il sort, il la fracasse. Ça, il faut que ce soit bien clair. Et je ne vais plus rigoler. Tu pourras penser ce que tu veux, mais je pense qu'au fond de toi, tu sais la femme que je suis et que tu as connue. Je dis que tu as connue parce qu'il y a gâté le coin. Donc, je sais que ça sera plus possible, toi et moi. Voilà. Donc, elle reste bien dans son coin. Moi, à chaque fois qu'on s'attaque à mes abonnés, je ne rigole pas. À aucun moment, elle a fait son live hier. À aucun moment, elle s'est excusée. Il faut écouter le ton, le mépris avec lequel elle faisait allusion à moi. En quoi est-ce que je suis trop serrée puis de me faire de pause? Je ne suis ni serrée d'elle, ni serrée de toi. On est bien d'accord là-dessus. Je ne me rends pas de service. Je ne t'en rends pas. Même là, je dis encore, tu ne me rends pas de service. Je ne t'en rends pas. Voilà, même là. Je vais supprimer ton commentaire sur ma page et je vais t'inviter à regagner la page de ta sœur pour pouvoir lui dire les choses clairement aussi par écrit. Merci beaucoup et bonne journée. Après, je lui ai dit, avant de finir et de te bloquer, car on me dit que tu traînes sur des pages de détracteurs, que j'ai pris sur moi, Jean, tu me rends un service, c'est toi qui es venu vers moi pour un partenariat. Je t'ai rien demandé. Limite, je suis très éloignée de toi. Chose que tu m'as reproché, de ne pas te faire confiance. Heureusement que j'ai gardé mes réserves. Mon sixième sens est très fort. Bonne continuation, Réveline. Et t'inquiète, j'irai pas te dénigrer, ni commenter chez des détracteurs. Tu ne m'intéresses juste pas. En revanche, tu es la seule étrangère, pas une proche à connaître chez moi, en espérant que tu oublies que j'ai existé. Merci et bonne continuation. On va y aller doucement. Je disais que quand je te tag là, pourquoi tu vas pas sur ma page pour, tu me fais un petit coucou. Écoutez sa voix. Tu fais même pas de commentaires sur ma page. Et tous les efforts. Ah. Écoutez là, tellement que je n'ai pas affaire à elle, elle vient me supplier en inbox. Pourquoi quand elle me tag, je ne fais pas de commentaires. Je disais que quand je te tag là, pourquoi tu vas pas sur ma page pour, tu me fais un petit coucou. Je vais transférer ce message à Laurentia. Attends, faut pas que je vais aller directement sur elle. Comme ça, ne dites pas demain que c'est la voix de quelqu'un d'autre. On va aller sur elle. Les personnes qui me disent que je défile les messages, non. Je vais pas tout exposer quand même. Même ces messages qu'elle m'envoie depuis le combien, depuis le 2 août, ces messages sont encore là. J'ai pas ouvert, j'ai pas lu. À chaque fois qu'elle envoie un message, elle efface. Les messages qui sont là, il n'y a rien d'extra. Il n'y a rien d'extra. C'est les messages de tenue. Je lui disais que j'aimais bien la tenue de sa sœur qui était magnifique et tout ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les messages, c'est rien. C'est que le travail qui est entre nous. Donc, le reste n'est pas important. C'est des bénédictions. Tu brilles de mille feux. Je t'aime beaucoup. C'est bonsoir la cuine. Il n'y a rien d'extra. C'est pour ça que je défile. Il y a un truc qui vous intéresse en particulier. Le reste, il n'y a rien d'extra. Ces messages, mais je ne lis pas. Je ne lis pas ces messages. Tout est vert ici. C'est le 11 novembre qu'elle m'informe. Bonjour ma queen. Je suis en train de faire une collection qui t'est dédiée. Tu veux que j'appelle ça la queen, Ekaland, Emmanuel Keita ou Choupompom? Vendredi 11 novembre à 21h29, alors qu'elle a déjà écrit à Eloge de First Magazine pour lui demander de partager sur sa page qu'il y a une nouvelle collection qui s'appelle Emmanuel Keita. Alors que moi, c'est le vendredi 11 novembre à 21h29 qu'elle m'informe qu'elle a sorti une collection en mon nom. Je suis étonnée.
Mais je me dis, ça ne se passe pas comme ça le travail. Mais je me dis, c'est une grande sœur. Là, on ne parle même pas d'argent. Hein. Là, je parle de grande sœur. Donc, je lui dis, voilà la réponse que je lui donne. Je lui réponds le lendemain à 14h39. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Je lui dis, appelle ça Emmanuel Keïta. Elle dit, d'accord, gros bisous. Bonjour ma star. Ta collègue sera prête le mardi. Comment faire pour te remettre? Enfin bref, elle me parle on parle de tenue. On parle de tenue. On parle de tenue. Je lui ramène la photo. On parle de tenue. On parle encore de vêtements. On parle de vêtements. Et puis, bim! Je lui envoie ça. Juste ça, je ne laisserai pas passer. Elle dit ça, je parie que ce sont les responsables de Life TV qui font ça. Laisse-moi vérifier. Donc, on parle. Elle n'a qu'à respecter au moins nos rapports, toi et moi. Je lui dis, même si ce sont les responsables de live, ça c'était à quelle date? Le 28 novembre. Une fois, parce qu'elle m'avait lancé des pics pour défendre sa protégée. Mais depuis que je suis vraiment avec toi, si tu remarques même comment mes abonnés parlent de coach, c'est beaucoup de respect à cause de toi. À cause de toi. Ne pense pas qu'un jour, toi et moi, on s'est vus. Et puis j'ai eu un mot bizarre à l'endroit de cette dame. On ne fait pas ça, la vie qu'elle a là. On ne fait pas ça. Mais c'est Dieu qui nous protège. Je suis d'accord avec toi. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas encore posté. Tu as vu la fiche où? Laisse-moi, je vais vérifier quelque chose. Parce que je suis allée sur sa page, je n'ai pas vu ça là-bas. Parce que ce n'est pas elle qui fait la page en fait. C'est sans doute quelqu'un qui t'a envoyé avant que. Donc, je lui réponds que c'est sur live, j'ai pris. Je dis, c'est dommage. Donc, elle essaie de me convaincre, en fait, que, elle est en train de me convaincre que sa sœur n'a rien à voir avec cela. Et moi, je l'ai cru. Et je me suis dit, ah, peut-être que sa sœur fait croire qu'elle est très fructueuse, qu'elle a les moyens, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Elle a besoin de l'argent de Life Magazine pour pouvoir manger. Donc, si elle leur dit non, elle risque de ne pas avoir d'argent. Donc, elle m'explique en fait que c'est Life qui a décidé et tout ça. Donc, moi, je la crois. Ça fait que je reste dans mon coin, je ne fais pas de poste pour l'incendier. Mais là où je vois qu'il y a un problème, c'est quand sa sœur me dit qu'elle n'a pas partagé l'affiche. Et après, je vois l'affiche sur sa page. Quand je vois l'affiche sur sa page, je garde ça dans mon cœur. Je dis, Dieu, je n'ai qu'à être forte. La voilà ici, je dis que je suis malade. Est-ce que tu me permets de venir te voir? Je ne lui ai même pas répondu. Ah, c'est pour faire les photos. Merci. Dis-moi quand on me donne les photos, le même jour, hein, elle parlait des photos du shoot. Bonjour Manu, juste savoir de tes nouvelles, je n'ai pas vu ton appel. Enfin bref, ça c'est encore par rapport au travail. Le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. On est en train de travailler. D'accord, je cours. On est en train de travailler, je lui fais le point. Que le photographe va lui coûter telle somme, la maquilleuse va lui coûter telle somme. Je lui fais le point. 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 Tous nos trucs sont basés sur le travail. Le travail. Le travail. Jusqu'à ce fameux jour, ce jeudi. Jusqu'à ce jeudi. Ou parce que moi, Emmanuel Keïta. Parce que moi, Emmanuel Keïta. Ou parce que moi, Emmanuel Keïta, j'ai osé, il faut utiliser le mot, j'ai osé répondre au live de sa grande sœur. Ça m'a choqué. Parce que j'ai osé. Elle vient, elle fait un poste. Alors moi, je suis la poubelle. Ta sœur doit toujours me lancer des pics. Toi, tu ne dis rien. Et la seule fois où je réponds réellement, depuis que je suis en partenariat avec toi,
C'est fini. Tu me traites de personne toxique. Tu vas même inventer que c'est toi qui m'as refoulé. Il n'y a personne qui me refoule. C'est moi qui vous envoie tous au gnouf. C'est moi qui vous fais dégager de ma vie. Et après, chacun vient inventer pour lui. Tu as dit que j'étais une pauvre l'eau. Je te retourne cette malédiction. Parce que moi, la pauvre l'eau, vois-tu? Moi, la pauvre l'eau, avec preuve à l'appui, je te fais écouter ça tout de suite, avec preuve à l'appui. J'espère que ce n'est pas sur mon autre téléphone, c'est sur le bon téléphone. Que c'est sur ce téléphone-là. C'est sur le téléphone sur lequel je suis. Je vais mettre ça par contre sur mon... Je mets ça sur mon snap dès que je finis. Parce que moi, la pauvre l'eau, la chaîne de télévision où ta grande sœur travaille et elle n'est pas capable de prendre sa dignité de femme et de pouvoir dire... Je ne souhaite pas qu'un insulteur... Parce que ce n'est pas juste un insulteur de femme, c'est une personne qui a eu elle-même à l'insulter. C'est une histoire de vigile, la personne même l'a insultée. Donc elle aurait même, ne même pas le faire pour moi. Elle aurait pu le faire pour elle-même et en tant que femme. Si elle n'arrive pas à dire non à une chaîne, elle n'est pas plus riche que moi. Parce que moi, cette même chaîne de télévision m'a proposé par le canal de M. Guignacoury. Guy, tout le respect que j'ai pour toi. 25 millions de francs CFA, j'ai la conversation qui est là. Parce que j'ai pris le temps d'enregistrer. 25 millions de francs CFA afin que je vienne faire une télé-réalité et un droit de réponse à la personne que elle a invitée sur son plateau. Et j'ai refusé les 25 millions de francs CFA. Jusqu'à ce jour, on me cherche encore. Qui m'a appelé? Je dis, ah bon, hein? Mais non, mais vous aussi, vous allez déconner. Mais vous aussi, non. Vraiment, ça là, ça sera compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, ils attendent ma réponse. Je les ai fait 20 mois. Moi, la pauvre l'eau, j'ai refusé 25 millions de francs CFA de Live TV après qu'elle ait invité la personne là pour mon droit de réponse. 25 millions de francs CFA. Je mets les preuves sur mon snap dès que je finis le live. 25 millions de francs CFA que moi, la pauvre l'eau, j'ai refusé. Tu vois toute la différence? C'est toute la différence, en fait. Entre la pauvre l'eau que vous pensez qui est en manque d'argent, mais qui refuse, qui jette 25 millions. J'arrive. Mais qui jette 25 millions. Et toi, pour des petits, ta soeur, pour des petites miettes, qui est prête à ce qu'on lui impose des invités. Tu vois qu'il y a un problème. Tu vois qu'il y a un problème, non? Voilà. Depuis que je suis sur la toile, je n'ai jamais fait de live pour montrer les messages d'une personne. Non, je n'ai pas les 25... Non, chouchou Motema, je n'ai pas les 25 millions. Ils m'ont proposé. Je n'ai pas accepté. Mais j'ai les conversations, je vais vous faire écouter. Je mets ça sur mon snap. Cette chaîne qui veut me salir, je ne sais pas ce que je leur ai fait. Pourtant, Saronion est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect. Il y a de grands animateurs à Life. Conny Touré, que je respecte quand le feu sort. Willy Dembo, que je respecte juste quand le feu sort. Mais je ne comprends pas pourquoi cette chaîne-là me fait les choses façon. Je ne comprends pas. Mais après leur truc, ils m'ont proposé 25 millions pour venir faire droit de réponse. J'ai refusé. Ils m'ont appelé le matin. J'ai refusé. Je les ai rappelés pour pouvoir les enregistrer le soir. Et puis là, j'ai joué le jeu, puis j'ai écouté. Je dis, ok, d'accord, je vais vous rappeler. Mais vraiment, moi, je travaille pour une autre... Je vais vous faire écouter ça sur Snap. Parce que je ne me suis pas contentée d'enregistrer seulement la voix de la personne. J'ai filmé l'appel. Parce que c'est un appel WhatsApp. Parce que demain, vous avez dit qu'on a trafiqué vos voix. C'est vous qui m'avez rendu comme ça. C'est vous qui m'avez rendu comme ça. Et je ne changerai plus. Ça va rester comme ça. Donc, entre vous qui vous proclamez riche, mais qui vendez votre dignité, celle que vous appelez la pauvre crache sur des millions et garde sa dignité. De nous deux,
c'est qui les pauvres? Tu es une femme indigne, je te dis pourquoi. Ta grande sœur est une personnalité publique qui a plus d'abonnés que moi. Si tu étais suffisamment digne, tu ne m'aurais même pas approché pour que je sois ton égérie. Moi, je ne peux pas avoir comme sœur qui a 2 millions d'abonnés et venir approcher une autre influenceuse que ma sœur n'aime pas. Moi, je peux accepter de travailler avec toi parce que moi, je ne déteste pas ta sœur. Je suis en désaccord avec sa manière d'être. C'est différent. Je ne pense pas forcément bien d'elle par rapport à comment elle est, mais je ne la déteste pas. Mais toi, prendre tes deux petits pieds comme pour moi et venir me proposer d'être ton égérie jusqu'à compter tous tes moyens pour pouvoir me donner, jusqu'à avoir des difficultés pour pouvoir me payer, c'est parce qu'au fond, ta sœur ne fait pas ton affaire. C'est parce qu'au fond, ta sœur ne t'a pas réellement soutenue comme il fallait. Si ta sœur te donnait le soutien que tu voulais, tu n'aurais pas eu besoin d'une autre personne. Donc dis-moi merci. Dis-moi merci d'avoir été là pour toi. Dis-moi merci de t'avoir épaulé. Dis-moi merci de t'avoir encouragé. Quand on te disait que ta collection était moche, je te disais que tu étais une femme forte et que tu avais de très belles idées, que tu pouvais aller loin. Je t'encourageais, Evelyne. Je te donnais de la force. Aujourd'hui, tu me traites de tous les noms. Aujourd'hui, tu dis de moi que je ne suis rien. Aujourd'hui, tu dis de moi que je suis pauvre. Mais cette femme pauvre que je suis, tu as eu besoin d'elle. Cette femme pauvre que je suis a pu faire connaître ta marque même par deux personnes. Deux personnes ont acheté ta marque. Deux personnes, grâce à moi, ont acheté ta marque. Je t'appelais grande sœur. J'étais là pour toi. Tu peux peut-être me reprocher qu'il y a des fois où je devais porter les vêtements et puis je zappais un peu. Je ne portais pas trop. Ça, c'est vrai. Mais je ne sais même pas si on peut appeler ça manque de professionnalisme parce qu'on n'a pas de contrat. Moi, Nadège, je me paye par mois. Au Rêve Opportune me paye par mois. Ça fait 3 ans que je suis au Rêve Opportune. Tous mes prestataires me payent par mois. Tu es la seule personne, quand elle a un peu un mougou-mougou, elle peut se débarrasser de ça, elle donne pour dire « Ah, j'ai eu un petit mougou-mougou. » Donc, je ne peux pas faire ta pub comme les autres parce que oui, on n'est pas des potes. On n'est pas des amis. On n'est pas des amis. Donc, à un moment donné, je te demande qu'est-ce que je gagne là-dedans. Mais je t'ai encouragée. Je t'ai donné de la force. Parce que si je ne t'avais pas donné de la force, Evelyne, tu n'allais pas chercher à me rendre hommage au travers d'une collection. Tu as voulu me rendre hommage au travers d'une collection, ce que tu n'as jamais fait pour ta sœur. Tu ne lui as jamais fait de collection. Mais tu as voulu me rendre hommage au travers d'une collection parce que tu as trouvé que je t'avais trop apporté. C'est ta bouche qui a dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Si tu as pris une collection pour mettre mon nom là-dessus, c'est parce que tu sais ce que ça rapporte. Révo, tu sais ce que ça rapporte. Je ne t'ai pas insultée. J'ai juste fait mon post en réponse à ce que Chimène a écrit, a fait comme direct. Tu aurais dû rentrer dans le téléphone de ta petite sœur que je suis, que j'étais, pour dire petite sœur. Laisse Chimène avec ses choses. Il ne faut pas répondre. Je vais la calmer. Tu aurais dû... Mais non, tu as commencé à mentir. Tu as commencé à dire que j'étais à la base. Que moi, j'ai donné mon accord pour qu'on insulte une petite fille. La fille de ta sœur. J'ai 4 enfants. Révo. J'ai 4 petits-enfants. Je ne peux jamais accepter qu'on insulte les enfants de quelqu'un. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'on insulte les enfants d'une personne. Je ne peux pas, Evelyne. Ce n'est pas dans mon éducation. Spirituellement, je ne peux pas. Je ne peux pas, Evelyne. C'est parce que je suis pure que tous ceux qui me font du mal, tu connais leur fin.
Révo, tu as déconné. Et quand on déconne, on s'excuse. On ne cherche pas à rabaisser la personne et à inventer. Tu mens que tu m'as aidé à prendre un billet d'avion. Tu sais, un billet d'avion business class coûte combien? Ce n'est pas bon, Réveline. Réveline, tout le monde était contre ce partenariat. Que ce soit de ton côté, que ce soit de mon côté. Je pensais que l'amour qu'il y avait entre nous deux allait vaincre cela. Réveline, tu as déconné. Tu as déconné. Je t'ai ouvert ma maison, Réveline. Tu es venue chez moi, tu étais toute contente de venir chez moi. Tu trouvais que c'était une faveur que je te faisais. Personne ne voulait que je travaille avec toi. Même ma propre mère ne voulait pas. Ma tante m'a dit non. Je dis laisse-la, c'est une bonne dame. On ne fait pas ça, Réveline. En plus, tu mens, tu inventes. Tu dis que je te demande des OM. Réveline, tu n'as pas d'argent. Même pour me payer, tu as des difficultés. Réveline, on n'a jamais parlé de billets d'avion, toi et moi. Ma vie privée, tu ne la connais pas. Tout ce qui nous lie, c'est le chiffon et les billets de banque. On ne fait pas ça, Réveline. Tu m'as fait couler des larmes en direct. Parce que je t'ai beaucoup aimée. Je t'appréciais beaucoup, grande sœur. Beaucoup. C'est l'amour qui a fait que je faisais plus attention à ce que ta sœur faisait. Tu me paraissais gentille. On fait pas ça. Ta sœur a fait un direct qui n'était pas correct. Le direct de ta sœur n'était pas correct. Ce qui me fait mal. Ce qui me fait mal. Et qui me donne des larmes, c'est que tu peux t'arrêter pour dire que je peux permettre qu'on insulte la fille de ta sœur. Ah, la jolie petite fille innocente là. On insulte mes enfants toute l'année. Je m'assois puis il rit. Ça ne me dit absolument rien parce que je ne sais pas de qui il parle. Mais dire que je suis capable d'aider une organisation où on peut insulter. La sœur, l'enfant. Si la petite fille a trop, petite Tracy, là, si elle a trop, peut-être elle a 8 ans, bien 9 ans, j'ai cru voir sa photo une fois. Je m'assois pour dire, insultez-la. Vous êtes méchante. Et tu as dit une chose. Tu as dit que tu as la preuve. Tu as dit que tu as la preuve. Que j'ai dit d'insulter ce petit ange. Je te donne une heure après mon live. Tu as une heure après mon live. Tu mets la preuve. Tu as une heure après mon live, Réveline. Et tu es rendue star. Tu seras juste star pour quelques jours. Parce que ce qui va te mettre au sommet de ta gloire, c'est le travail que tu as bas. Si tu fais du bon travail, tu seras au sommet de ta gloire. Sinon, ce buzz va durer que 2-3 jours. On va t'oublier et je vais continuer. Si ton travail est bien fait, je te donne cette bénédiction-là, tu vas continuer. Tu as une heure pour me mettre sur ta page. Les preuves. Tu as dit que tu as les preuves. Ta soeur dit qu'elle a les preuves. Je te donne une heure. Tu me mets les preuves que j'ai participé. Tu as dit que tu as les preuves. Tu me mets les preuves. Tu as dit que c'est toi qui as rompu le contrat. Tu me mets les preuves où tu as rompu le contrat parce que je viens de mettre les preuves que c'est moi qui t'ai boué. Tu mets les preuves que tu as rompu le contrat. Tu mets les preuves d'un message où je t'ai déjà demandé 5 francs hormis le rappel de tes factures impayées. Tu mets les preuves que tu as participé à un billet d'avion, comme si toi-même tu me... Tu me fais ça tout de suite, dans une heure. Quand il coupe le téléphone, tu t'actives.
Tu m'as compris? Tu t'actives. Tu me mets les preuves là maintenant. Parce que le mensonge a un peu trop perduré. Je peux accepter tout. Quand ça touche les enfants, ça me fatigue. Les deux fois que j'ai versé mes larmes sur Facebook, c'est affaire d'enfants. Première fois, parce qu'on insultait mes enfants, je n'étais pas encore habituée à ça. Au lieu de vous insulter mes enfants, ils vous font 20 ans. Je ne fais rien et vous. La deuxième fois que mes larmes coulent, c'est à cause de la fille de ta sœur. C'est à cause de la fille de ta sœur que mes larmes coulent ce soir. Dire que moi, je peux être dans quelque chose où on va insulter une innocente, c'est quelque chose de me maudire. Je suis en train de me maudire. Je suis en train de me maudire. Participer à insulter l'enfant d'autrui, je me maudis. Vous aimez quand on vous snob. Mes autres collègues influenceuses ne vont jamais porter vos chiffons, même pour gratuit. Même pour gratuit. Même pour gratuit, elles ne porteront pas vos vêtements. Ça ne fait pas très classe. Ça ne fait pas très luxueux. Mais c'est celle-là que vous respectez. Et nous, qui voulons vous valoriser, c'est nous-là que vous rabaissez. Je vous ai dit, oh, c'est fini. Oh. La pauvre a réussi à économiser son argent un peu, quand elle est en train d'ouvrir un camping à Abidjan. Ce n'est pas une boutique, c'est jusqu'à 102. Donc, il faut pouvoir remplir ça avec des choses. Donc, son bas cheveux, son bas robe, son bas cils, son bas rouge à lèvres, tout ça serait Emmanuel Keïta. Je suis une marque, je vais moi-même lutter pour ma propre marque. C'est bon comme ça. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Donc, comme ce que je disais, tu as une heure, tu me mets tout. Tu me mets tout. Le Dieu que je prie, si je n'ai pas été sincère avec toi, que tout ce que je cherche dans ma vie, que Dieu ne me l'accorde pas. Si tu as menti sur moi, que ta marque n'aille pas plus loin que cela. Si tu as menti sur une mère de famille comme je suis, la balle est dans ton camp. On est d'accord. Et toi, la sœur, toi, la sœur, c'est quelqu'un qui est toxique, c'est toi. Parce que quand tu as fait ton truc, tu étais en baisse d'audience. On t'a dépêché de Paris. Parce qu'ils ont eu vent. Qu'il y avait une petite poulette du nom d'Emmanuel Keïta qui faisait ses entrées sur une chaîne concurrente. Ils t'ont dépêché en pensant que tu étais un calibre fort. Tu veux me servir de la pâtée pour maison. Tu as commencé ton émission. Tu n'avais pas d'audience. Pourtant, on me clame que ça t'appelle Influyamento. Et tu t'es dit, qu'est-ce que je peux faire? Vous vous êtes dit, dans votre petit groupe là-bas, qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'audience? Bah écoutez, on va faire appel au buzz, Emmanuel Keïta. Vous faites venir une personne. C'est la première fois depuis que tu as repris ton... une émission que ton audience a monté. Avec quoi? Avec mon nom. Oui, c'est mon nom qui était au milieu. Parce que rien que le titre, rien que la personne invitée, c'est mon nom qui était au milieu. Vous allez me dire, mais est-ce que ton nom, c'est pas flottage? Arrêtez vos conneries. Vous savez, vous et votre petit groupe de merde, le nom que vous avez voulu me mettre sur moi. Vous savez. On ne peut pas faire semblant. Je voulais gagner de l'audience avec le nom d'une personne que tu méprises. Et je ne suis pas ta première victime. Tu l'as fait avec plusieurs personnes, mais c'est passé inaperçu. Tu l'as fait avec beaucoup de personnes. Hein, Chimène? Tu l'as fait avec beaucoup de personnes. Tu utilises la vie privée des gens pour te faire de l'audience. Parce qu'en réalité, en fait, tu n'arrives pas à servir autre chose. Et quand tu l'as fait, malgré que je t'ai trouvé bizarre, je me suis dit, mais c'est quel genre de femme? Je suis restée dans mon silence. Et j'ai continué à travailler avec ta sœur. Mais comme tu ne te connais pas,
tu as attendu de rentrer à Paris. Que la chaîne avec laquelle tu travailles t'est bouée. Parce que la vraie vérité, c'est ça, Chimène. La vraie vérité, c'est que la chaîne avec laquelle tu travailles t'a bouée. La chaîne t'a bouée, Chimène. Et comme la chaîne t'a bouée, comme une bonne lâche, tu sors et tu essaies d'expliquer que ça a l'oreillette en tes pas. Moi, ça a l'oreillette en mes pas, l'eau. Moi, les petites sœurs. Moi. Qui te connaît, en fait, girl? Tu t'échauffes trop sur moi. Et je suis ta petite sœur. Je suis ta petite sœur. Je ne suis pas ta concurrente. Je suis ta petite sœur. Vous me déposez. Je n'ai rien contre toi. Tu me lances trop de piques. Je n'ai rien contre toi. Rien. Je n'ai nada contre toi. Tu me lances des piques depuis bien longtemps. On me dit qu'on a entendu une note vocale où je parle de toi. Je sais pourquoi je parle de toi. Je parle de toi avec qui? Avec une personne qui partageait ma vie. Avec une personne avec qui je causais. Parce que tu me lances des piques depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Tu as commencé déjà à me lancer des piques avec une histoire de Range Rover. Il a dit, ah, la grande sœur aussi, pourquoi elle fait ça? La grande sœur aussi, pourquoi elle fait ça? Après cela, Guillaume Vergès, le journaliste, est venu à la maison. Il m'a dit, ah, c'est bizarre, mais la coach dit qu'elle t'aime beaucoup. Je suis allée chez elle. J'ai dit, loin de moi. Donc, s'il y a quelqu'un qui t'a méprisé, c'est moi. Parce que ta commission que tu as fait à Guillaume Vergès, là, on m'a envoyé la commission. Moi, je cite les noms. Chimène, la commission que tu as fait à Guillaume Vergès pour dire que tu m'aimes bien, là. J'habitais à l'époque à Épinay. Ta commission, je l'ai reçue. Et j'ai répondu à Guillaume Vergès que tu ne m'intéresses pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne cherche pas une grande sœur, c'est moi. Mais je respecte la personne que tu es. Mais toi, tu ne me respectes pas, Chimène. Tu as commencé à l'histoire du beef cut. Tu as commencé à l'histoire de Range Rover. Après beef cut, après tant. À chaque fois, tu me lances des piques. Et quand je réponds un peu, on dit, oh, elle veut s'attaquer à Chimène. Non, Chimène, c'est toi qui me provoques. Il faut arrêter de me provoquer. Tu n'es pas une petite fille, Chimène. Tu es une grande fille. Il faut arrêter. Il faut être un peu sage. Faut arrêter tes conneries, là. Faut arrêter tes bêtises. André, une petite fille bête, faut arrêter. Je sais pas. Je sais que peut-être que tu as dû avoir un passé difficile financièrement. Mais là, maintenant, ça va. C'est bon, Chimène. Tu manges à ta faim. Tu as des enfants magnifiques. Tu as un bel appartement. C'est bon, Chimène. C'est bon, t'es arrivée. T'as plus besoin d'écraser les autres. Ça va, t'as plus faim. Garde un peu de dignité. C'est l'essence de la vie. La vraie richesse commence déjà par là. Prends exemple, si je te fais appeler coach, prends exemple sur celles qui sont des vrais coachs. Tu ne les verras jamais dans ce genre de saleté. Hein, Chimène? Chimène, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu me lances des piques. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu fasses allusion ni à moi, ni à ma communauté. Je n'ai jamais mal parlé des caviars. Jamais. Je n'ai jamais lancé des piques à ta communauté. Je les respecte. Parce que c'est une communauté qui te porte haut. Moi, je respecte les communautés qui n'ont pas que la bouche et qui portent leurs ambassadrices haut. Et tes abonnés te portent très haut. Donc, je respecte ta communauté. S'il te plaît, Chimène, respecte ma communauté. Respecte-moi. S'il te plaît. Respecte-moi. Je ne te dois rien. Je ne te dois absolument rien. Je suis l'une des rares influenceuses qui n'accepte aucun cadeau de sa communauté. Son bas PayPal, il refuse. Son bas cadeau, il refuse. Son bas quoi, matériel, je refuse tout. Je mets quelconque calendrier qui est là de mettre en commentaire si j'ai déjà accepté 5 francs de quelqu'un. Je refuse tous les cadeaux. Tout ce qui est financier, je ne veux pas. Une fois, ils ont cotisé, je crois, en décembre passé, plus de 7000 euros. Je les ai envoyés bouler. Je dis, ramenez-leur l'argent, je fous de quoi ça. Elles sont là, elles peuvent, truc. Ils ont amené une fille à Edo de Kumasi. Elle n'a qu'à venir témoigner ici. Edo de Kumasi, qui es-tu, femme? Harold Normel, Angela Dria,
Ils ont mené ces quatre personnes-là. Voilà ce qu'on a pour toi. Leur argent est retourné dans leur poche. C'est ce qu'on appelle la dignité. Chimène, quand on dit lundi arrive, je remercie tel caviar pour les 200 euros. Je remercie tant pour les 400 euros. Je remercie tant pour les 300 euros. Tu vis de PayPal. Et c'est toi qui traites les gens de pauvres. Ne traite plus personne de pauvre. Ne traite plus personne de pauvre. Ne traite plus personne de pauvre. Parce que la vraie pauvreté, c'est à ton niveau. Être là à s'accommoder aux personnes qui peuvent donner de l'argent, c'est toi la vraie pauvre. Ne traite plus personne de pauvre. Et ne fais plus allusion à moi. J'ai dit à ta soeur, tu fais allusion à moi, je te fracasse. T'as compris? D'accord, c'est bon. Bien. Maintenant que t'as plus de boulot, l'autre côté, on va essayer de négocier si tu peux venir vers nous. Ah, t'as une bonne audience quand même. On va essayer de négocier si tu peux venir vers nous. Là, t'as plus de poste, là, t'as plus de boulot. Ok? Je suis une douaoudée. T'as fait ton émission, t'as tout ça pour ça. Moi-même, je regardais ta première saison. C'était mal chic. C'était trop drôle. Mais tu as voulu t'attaquer directement à moi. Tu as vu où c'est fini? Tu as vu quand tu t'es attaqué officiellement à moi, devant combien de milliers de spectateurs? Tu as vu comment c'est fini? Tu es boué par la chaîne? Ton invité. Et quelque part, bah comme ça, je ne me moquerai pas de ça. Parce que c'est vilain de se moquer de quelqu'un qui est en prison. Je ne vais pas me moquer de quelqu'un qui est en prison. Ah, c'est trop pour moi, ça. Je ne prends pas cette malédiction-là. Mais tu vois comment c'est fini. Il faut que tu comprennes pour une fois pour toutes que je ne suis pas votre camarade. Compris, Chimène? Je ne suis pas votre camarade. J'ai fini de faire mon direct. Sortez. Ta soeur et toi, sortez. Hier, prendre ta colonne vertébrale et puis mettre ça à l'endroit. C'est un peu sur le côté. Hier, et mettre ça à l'endroit. C'était pas sûr. Ouais, t'as une scie. Hé, toi, l'autre, Réveline, tu me sors maintenant les preuves de ce que je t'ai demandé. Tu me sors toutes les preuves de ce que je t'ai demandé. Tout. Tu me sors tout ça. D'accord? Parce que... on peut dire Emmanuel n'a pas de papier. Ça va, ça n'a rien à voir avec mon boulot. On peut dire Emmanuel est vilaine. Ça va. On peut dire Emmanuel est si, ça va. Mais oh, tu as un partenaire d'affaires, Réveline. Tu ne peux pas mentir sur moi et puis je vais me taire. Parce qu'après toi, là, il y a d'autres partenaires d'affaires. C'est vrai que les petits Sili, je ne veux plus travailler avec. Mais les One is Bet. Il y a Orange. Et on veut signer les L'Oréal, papa. D'accord? Donc, quand ça concerne le business, je sors et puis je rétablis la vérité. Et tu vas me montrer les preuves de ce que je t'ai demandé. Voilà. Moi, je ne fais pas les histoires où je mêle les enfants. La Eucalande, si on insulte mes enfants, ceux qui insultent mes enfants, là, répondez-leur directement. Laissez leurs enfants. Vous prenez des péchés. Les enfants, là-même, ils sont étonnés même des parents qu'ils ont, là. Les parents, là-même, les étonnent. Pardon, laissez-les. Ok. C'est bon. D'accord.